Bonjour, c'est Aurélie Ashrafi pour La Rose Bleue. Je vous propose un soin de la lyre centré sur le chakra du plexus solaire. C'est un centre d'énergie merveilleux situé au niveau de l'estomac qui agit comme une antenne pour détecter toute forme de danger autour de vous, pour vous, afin de les prévenir. Il est aussi relié à votre famille et vos proches pour la même action. C'est un centre qui contient aussi, au niveau tridimensionnel, toutes nos peurs et tout ce qui est relié à ces peurs. En élevant la fréquence de ce chakra, on va venir nettoyer et guérir les peurs, l'insécurité, l'anxiété, mais aussi tout ce qui est manque de confiance en soi, manque de confiance en la vie, en autrui, afin d'acquérir une grande paix, l'indépendance, l'acceptation de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, en l'univers, l'innocence, la guérison, une guérison profonde, et nous permettre aussi de rayonner notre lumière, notre pouvoir, avec sagesse. Alors vous allez vous installer dans un endroit où vous ne serez pas dérangé, assis ou couché, le corps reposant parfaitement afin de vous laisser aller en profondeur, et vous relaxer le plus possible afin de recevoir un maximum de la lumière du portail de la lyre et des licornes, ainsi que la lumière de tous les êtres de lumière qui nous rejoindront peut-être. Nous allons ouvrir cet espace et appeler les différentes lumières pour ce soin. Nous sommes rejoints par les archanges Christiel et Mallory, ainsi que les anges de la lyre, pour nous amener les codes de paix, d'innocence, d'amour inconditionnel. La lumière pure et blanche des licornes va venir nous purifier, purifier le chakra du plexus solaire de toute négativité, de toute peur. On ouvre par le chakra causal. Les dragons de la lyre et les dragons lunaires argentés viennent ouvrir encore plus grand et purifier le chakra causal pour que l'énergie pure et blanche des licornes et la lumière de la lyre entrent avec leur toute puissance dans votre être. On appelle aussi l'énergie de Dame Gaïa, sa merveilleuse lumière, avec l'énergie de la nature, car le plexus solaire est directement lié à la terre et à son aspect ascensionné Pilché, ce qui va nous permettre d'ancrer votre lumière personnelle, votre chakra du plexus et tout votre être encore plus dans la terre, pour ressentir la sécurité, l'accueil, l'amour de cette planète.
l'énergie de la lyre et des licornes purifie tous vos champs, votre aura, le corps éthérique, le corps physique, mental, émotionnel, spirituel, en vous enveloppant d'un cocon, cette merveilleuse lumière blanche éblouissante. Des licornes se tiennent juste au-dessus de vous et vous bénissent de leur lumière pure et blanche. Elles activent la purification, l'élévation globale de vos fréquences. Respirez déjà plus librement, vous êtes centré, détendu et beaucoup plus léger. Après l'ouverture de cette connexion à ces énergies de très haute fréquence et cette première purification. Maintenant, on passe au chakra du plexus solaire. La lumière or blanc de la lyre et la lumière pure et blanche des licornes pénètrent votre chakra du plexus solaire et nettoient les premières chambres de tout leur blocage, de toute négativité et s'assurent que les leçons contenues dans ces chambres sont bien apprises ou le seront très prochainement. Tout ce qui concerne l'agression ou le conflit, la lâcheté, la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, l'anxiété ou l'insécurité, être prompt à imaginer le pire, être une victime ou un bourreau. La dépendance. Le manque de dignité, le manque d'estime de soi. Le manque de confiance, l'arrogance, le manque de confiance en autrui, le manque de confiance en la vie, la suspicion, se laisser diriger par son ego quand on accomplit tout uniquement dans le but d'avoir une gratification personnelle et d'être applaudi. Abandonner son pouvoir personnel et laisser les autres nous influencer ou sentir qu'ils sont meilleurs que nous. Tous les conflits concernant ces chambres, ces leçons sont réglés. Toute mémoire et négativité concernant ces leçons dans cette vie-ci, dans des vies passées, sont résolues, intégrées, apprises, purifiées, transmutées. On prend une profonde inspiration dans son plexus solaire. À l'expire, on évacue toute cette noirceur. Encore une inspiration.
Et on évacue toute la noirceur de ce plexus qui devient de plus en plus gros, de plus en plus lumineux, de plus en plus pur. Il s'allège, vous sentez tous les nœuds se défaire. Votre respiration est de plus en plus libre. Les organes se détendent et se relâchent. Une troisième fois. On expulse toute la noirceur et tous les blocages par ce souffle. Toute cette toxicité qui s'est accumulée en un petit nuage noir devant nous. C'est tout ce qui vous bloquait, tout ce qui vous empêchait d'avancer, de vous élever, tout ce qui vous empêchait d'apprendre et d'intégrer les leçons à ce niveau, ce qui vous maintenait dans des basses fréquences. Ce petit nuage noir, vous voyez que deux licornes s'en approchent, l'entourent de leur lumière pure et blanche, puis l'emportent avec elles et s'envolent loin, 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 pour qu'il soit purifié et transmuté. Merci, chère licorne, merci. Ressentez la pureté, la légèreté, les fréquences tellement plus élevées de votre chakra du plexus solaire. À présent, libérez l'énergie pure et blanche des licornes et la lumière or blanc de la lyre vont continuer d'œuvrer dans ces chambres pour les illuminer. Et maintenant, ces deux énergies continuent leur chemin pour nourrir, ouvrir et activer les chambres supérieures de votre plexus solaire. Concernant l'acceptation de soi, se dresser au nom du droit des autres, avoir confiance en autrui, être indépendant, recevoir de l'amour, avoir confiance en soi, l'humilité, la paix intérieure, les anges de la lyre se mettent à chanter tous les codes de paix autour de nous et ils sont rejoints par l'archange Ouriel et toute une armée de ces merveilleux anges de la paix et du pouvoir avec sagesse. Et ils chantent ensemble la paix. Votre plexus solaire absorbe cela. Vous sentez leur chant résonner dans toutes vos chambres. Votre chakra du plexus solaire brille encore plus fort, s'étend encore plus. Et vous commencez à répandre la paix autour de vous. Cette fréquence de paix tellement puissante rayonne autour de vous avec force. Vous vous sentez capable d'habiliter les autres, de leur rendre leur pouvoir personnel, de partager pour le plus haut bien de tous. Vous retrouvez votre innocence originelle. Vos pensées, vos paroles et vos actions sont parfaitement inoffensifs pour toutes les créatures. Vous rayonnez de plus en plus fort. Votre chakra du plexus s'élève encore en fréquence.
Cela touche vos vies passées et les guérit. Une profonde et puissante guérison prend place. Votre sagesse propre émerge, se fond avec la sagesse des archanges présents et des anges présents, la sagesse du cosmos et la sagesse de la terre. Absorbez-les dans votre chakra et sentez la confiance que cela vous donne. Vous pouvez ramener toute la sagesse de toutes vos vies passées en vous maintenant pour l'appliquer dans votre vie présente. La lumière or blanc de la lyre et la lumière des licornes remplissent maintenant entièrement ce chakra dans toutes ses chambres, le font briller encore plus fort dans toute sa pureté et sa magnificence. Il s'étend encore, et son antenne ne sert plus seulement à détecter les dangers, mais maintenant on va se connecter avec la sagesse intergalactique. Et cela vous permet d'élever énormément vos fréquences et vous ouvre la porte pour devenir un maître intergalactique. L'archange Aurore nous rejoint et bénit votre chakra du plexus solaire. Grâce au travail de ces énergies, de la lyre et des licornes, et du don et des bénédictions de tous ces anges, une nouvelle vie peut commencer pour vous. Et toutes ces énergies qui rayonne, qui se mélange à la lumière de votre sagesse, de votre pouvoir, de votre moi supérieur. Vous les voyez descendre votre colonne de chakra et aller s'ancrer dans le cœur de Dame Gaïa. Et vous voyez toutes ces énergies dans un chassé croisé avec l'énergie de la terre qui remonte dans votre chakra du plexus solaire pour vous nourrir de sa paix, de sa sagesse, de son amour inconditionnel. Et vous nourrissez la terre de vos énergies et de toutes les énergies que vous canalisez à présent à travers votre plexus. Et toutes ces magnifiques lumières depuis le centre de la terre sont distribuées à travers les lignes de lait à toute la planète. Votre énergie ainsi que toutes ces énergies de paix, d'amour, rayonnent dans toute la planète et sont accessibles à tous. Baignez encore quelques instants dans ces merveilleuses énergies. Contemplez votre magnificence. Acceptez le retour de la paix intérieure, de votre pouvoir personnel, que vous exercerez avec sagesse pour votre plus haut bien et celui de tous. Dans cette magnifique paix et chaleur, vous sentez aussi que vos organes sont plus détendus, sont plus éveillés, purifiés,
fonctionneront beaucoup mieux. L'estomac va chauffer à la bonne température et produire à nouveau l'acide hydrochlorique nécessaire à la digestion. Le pancréas purifié, éveillé et béni est stimulé pour produire la bonne insuline dont vous avez besoin. La rate, grâce à cette chaleur, a relâché toutes ses tensions, toute l'anxiété et le froid. Elle est détendue, à la bonne taille à nouveau, et travaille en harmonie avec tout le reste du corps. Et le foie, autorisé à faire une purification, se déleste de sa toxicité, se détend grâce à cette lumière et cette purification, et peut à nouveau beaucoup mieux, avec beaucoup plus d'énergie, assurer ses 2000 fonctions afin de vous maintenir en vie. Vous laissez toutes ces énergies, l'énergie pure et blanche des licornes, la lumière de la lyre, imprégner, nettoyer, nourrir, détendre et bénir ces merveilleux organes. Vous êtes rempli de gratitude pour ce merveilleux corps physique que la Terre-Mère vous a donné. Et maintenant, on va refermer cet espace, remercier tous les êtres de lumière, toute la lumière qui est venue jusqu'à nous pour nous guérir et nous aider à augmenter nos fréquences et à faire un pas de plus sur notre chemin d'ascension pour le plus haut bien et celui de tous. Merci. Ainsi soit-il, c'est fait. Et vous allez revenir tranquillement à un état de conscience, quotidien, normal, réintégrer entièrement votre corps physique et vous éveiller peu à peu en douceur dans cette nouvelle aurore de votre vie. Répétez ce soin autant que vous en avez besoin. Merci.